Quel plaisir que de vous retrouver sur les ondes de Watt FM et sur True TV. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver. Ce matin, nous vous partageons cette pensée de l'avocat devenu plus tard ministre de la Justice au niveau de la France, extrait de son œuvre « Bête noire », qui dit ceci « L'impartialité, c'est comme la beauté. Il faut laisser aux autres le soin d'en juger. » C'est une pensée donc de Éric Dupont-Moretti à méditer en cette journée du 4 décembre 2020. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Mon nom est Loukman Sanfo, président de ce tribunal de l'actualité. Ce matin au siège pour l'instant, c'est Ben Abougma à qui nous disons bonjour. Bonjour président, bonjour madame, monsieur. Merci à vous d'être à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation, celle qui nous réalise des mains de maître au niveau de Watt FM et également sur Twitch TV. Mesdames, messieurs, on lève dire à tous merci encore une fois de ce professionnalisme. Alors on oublie toujours, mais bon, en tout cas ils sont importants, on le signale ce matin. Alors ce matin, nous allons donc nous intéresser encore une fois à la dynamique électorale. C'est bien que nous attendons tous la proclamation, sinon la confirmation des résultats par le Conseil constitutionnel. Mais on peut déjà faire un bilan à mi-parcours de certains aspects, notamment la gestion de la communication par le Conseil supérieur de la communication, le CSC, qui a donc en tout cas fait le monitoring de cette élection, comment les choses se sont déroulées. Nous voulons savoir quels ont été les manquements constatés et quel traitement apporté à l'ensemble donc du processus. Et pour en parler, nous avons avec nous le vice-président donc du CSC en la personne de M. Abdelaziz Bamogo. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Vous êtes obligé de le dire. Donc c'est un homologue président. Voilà. En tout cas, merci de me recevoir. Mm-hmm. D'entrée de jeu, je voudrais vous féliciter déjà pour le travail que vous faites. On suit régulièrement le tribunal de l'actualité. Mm-hmm. Et c'est vraiment un apport essentiel à l'information au niveau du Burkina en termes de capacité de discussion sur des éléments clés pour amener vraiment les citoyens à avoir la quintessence de l'information, à connaître la vérité sur certains faits. Mm-hmm. Donc encore félicitations pour ce travail. Merci à vous. On le signale, peut-être ceux qui nous suivent le savent aussi. Si vous êtes l'ancien, patron donc de Ben Abougma, on ne sait pas si on doit les recuser d'ailleurs d'être face à son ancien patron. Non. Mais somme toute, en tant que régulateur, nous sommes les patrons des médias, donc. D'accord. Le président, ne vous en faites pas. Merci de répondre à notre convocation ce matin pour nous entretenir. Vous avez été mandaté par le président du CSC, donc la personne de Mathias, maître Mathias Tankwano, qui en tout cas a donné quitus pour qu'on puisse en tout cas tenir cette émission ce matin. Mesdames, messieurs, voici la première partie, les avant-propos avec le juge Ben Abougma. Alors, nous avons la dernière convocation de la semaine, certainement les actualités s'entremêlent et fusent. Qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin? Oui, merci Président. Bon, j'en vais parler de... Je continue dans la lancée du processus électoral. J'avais fait un avant-propos sur le BBDA, sur le CSC. Aujourd'hui, c'est sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui a effectivement... et qui a un bon parcours, qui a... L'exemple du Burkina s'est déporté ailleurs. Beaucoup de cadres et d'experts électoraux du Burkina ont été sollicités dans d'autres pays pour aider à améliorer le processus. Parmi ces personnes, d'ailleurs, il y a l'actuel président du CSE, également qui est expert électoral et qui a contribué beaucoup dans plusieurs pays. Et j'ai dit bien énormément, mais c'est fait discrètement, ce n'est pas connu. Mais aujourd'hui, ce sur quoi je vais me tabler, c'est par rapport à l'indépendance réelle de la CENI. Comment garantir une indépendance réelle de la CENI qui passe par beaucoup de paramètres, c'est la grosse interrogation après cette élection. Parce que après toute cette durée de vie, une CENI également qui a connu plusieurs mutations, ça demande également de la réflexion. Donc il y a les partis politiques de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Indépendance parce que les cordons de la bourse sont détenus par le gouvernement, donc à travers le ministère de l'économie et des finances qui donne l'argent pour pouvoir faire le travail.
Et donc parfois quand ça traîne, ça joue sur la CENI. L'autre indépendant, donc on compte également sur l'extérieur pour financer nos élections. Dans le même temps, on demande une certaine indépendance. C'est difficile aussi à voir. Donc la question du financement nous-mêmes. Deuxième regard, c'est par rapport aux compositions. Quand ça ne marchait pas à la composition de la CENI, quand ça ne marchait pas, l'entité des religieux s'est finalement retrouvée au palais du Mogonaba avec le président Newton Ahmed Bari. Chacun est venu avec son mandat. Donc, le cardinal a accompagné le représentant de l'Église catholique, le président de la FEME a accompagné le représentant des églises et missions évangéliques. Bon, Mogonaba, lui, il a son palais, son représentant aussi est venu. Donc, Newton Ahmed Bari, qui est issu de la communauté musulmane, bon, lui, il a délégué quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont retrouvés pour dire, bon, il faut également qu'on parle à l'unisson face aux partis politiques, parce que quoi qu'il en soit, si son mandat ne marche pas, c'est un des leurs. Donc, ça peut jouer. Deuxième niveau de regard, on est en plein pied dans les élections. Je fais fi des autres crises au niveau des partis politiques. En pleine crise, en pleine élection et en plein décomptage des voix, l'opposition instruit ses commissaires de claquer la porte. Et puis, ils claquent la porte. C'est vrai qu'ils sont revenus après. Mais après aussi, pour des gens qui ont prêté serment, il y a aussi la nécessité de se poser des questions par rapport à l'indépendance réelle aussi de ceux qui sont mandatés, qui ont prêté serment. Est-ce qu'ils doivent aller reprendre encore des instructions puis revenir? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Est-ce qu'un parti politique peut rappeler son représentant pour dire, écoutez, monsieur, quittez parce qu'on ne veut plus vous voir là-bas? Et après, comment est-ce que ça se passe? Donc, est-ce que les acteurs même sont prêts pour une indépendance réelle de la CENI? C'est une question fondamentale qui ne peut être résolue à coup de sortie chose. Il va falloir une réflexion profonde pour voir quelle CENI véritablement indépendante nous voulons, mais à tous les niveaux. Et ça passe, je dis bien, par plusieurs filtres. Et un seul filtre, quand on parle, c'est seulement la question financière. Elle seule ne peut pas garantir l'indépendance de la CENI. Il y va aussi du rôle et de la responsabilité des acteurs à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ça mon avant-propos du jour. D'accord, merci à vous de poser les débats. Sûrement, c'est un débat qui va se poursuivre justement avec la sortie de certains acteurs de la vie politique nationale, donc sur, on va dire, le destin de la CENI qui mérite, selon certains, une réforme profonde pour justement prendre en compte certains aspects. Merci à vous d'emporter cette voix-là à cette émission, le tribunal de l'actualité. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, nous allons donc auditionner le vice-président du Conseil supérieur de la communication, la personne de M. Abdelaziz Bamougan. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, c'est vrai que c'est un terme que vous utilisez. Vous auditionnez aussi des patrons de médias, mais ce matin, vous comparaissez devant notre tribunal. Alors, on parlera donc de cette gestion de la communication qui a accompagné le processus électoral cette année 2020, notamment pour l'élection, la consultation électorale du 22 novembre passé. Et donc, nous allons justement avoir une appréciation de ce qui a été fait comme par le CSC et surtout ce qui a été relevé par votre institution, l'évaluation du reste du code de bonne conduite, l'administration de l'information au niveau donc de cette campagne-là. De façon générale, quelle est la mission qui a été assignée donc au Conseil supérieur de la communication pour cette élection 2020? Merci beaucoup. En période électorale, le Conseil supérieur de la communication a plusieurs missions, mais la principale, c'est de veiller à ce que l'ensemble des candidats en compétition aient, dans un premier temps, un égal accès aux médias publics. Donc ici, c'est Sidoya, RTB Radio, RTB Télé. Tous ceux qui sont en compétition doivent avoir un égal accès. Ça veut dire que ce qui est proposé à un candidat, les autres aussi doivent pouvoir en bénéficier. Dans un deuxième temps, il s'agit de travailler à ce que le traitement de l'information électorale soit équitable dans l'ensemble des médias, c'est-à-dire médias privés comme médias public. Si vous devez parler de l'information électorale, vous devez faire en sorte que vous soyez à équidistance de l'ensemble des partis en compétition. Donc ça, c'est les missions clés du CSC. Mais à côté, nous travaillons à faire en sorte qu'on ait des élections apaisées. C'est-à-dire que l'ensemble du discours, nous nous assurons qu'il respecte les principes d'éthique et de déontologie journalistique, qu'il respecte la loi, mais derrière, nous travaillons à ce que ce discours-là permette à ce qu'on ait une élection ou des élections apaisées. Et dans ce sens-là, nous avons fait adopter le pacte de bonne conduite, qui était un engagement entre l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral,
pour dire que nous allons avoir un discours et un comportement qui va permettre à ce qu'on ait des élections transparentes, on ait des élections de qualité, on ait un discours qui est apaisé, de sorte que le processus aboutisse à des résultats qui sont acceptés par tous les acteurs en situation. Rassurez-vous, on aura l'occasion de faire une évaluation donc, du respect de ce pacte de bonne conduite, et entre autres. Mais vous le dites, l'une des missions principales donc, du CSC, c'est l'égal accès aux médias publics, et le pluralisme et l'équilibre dans le traitement de l'information électorale. Tout à fait. Mais on a comme l'impression, justement, vous avez même insisté sur le terme public, que vous avez un penchant sur, justement, les médias publics, alors qu'il y a plus de médias privés que publics. Comment peut-on comprendre qu'il y ait cette, on va dire, ce positionnement-là? Est-ce que le CSC ne s'occupe que de la communication émanant donc des médias publics plutôt que privés? Ça s'explique par la loi. La loi dit clairement qu'en période électorale, le CSC veille à l'égal accès des candidats aux médias publics. Donc à ce niveau-là, c'est la loi qui définit ça clairement. Les autres aspects sont liés aux missions habituelles du Conseil supérieur de la communication. Veiller au pluralisme et à l'équilibre dans le traitement de l'information électorale, c'est une mission, j'allais dire, traditionnelle du CSC. En tout temps, le CSC doit veiller à cela. Mais pour la période électorale, le code électoral et notre loi qui institue le Conseil supérieur de la communication dit de façon claire qu'en période électorale, le CSC veille à ce que les candidats aient un égal accès aux médias publics. C'est une mission qui est assignée au CSC au terme de la loi. Et ça a du sens. Les médias publics appartiennent à l'ensemble de la population, appartiennent à l'État, appartiennent au Burkinabé. L'élection par excellence, c'est un moment où la population, les citoyens viennent pour choisir leur candidat. On veut que tous les candidats aient la même chance d'être entendu. Donc le média public n'a pas autre choix que de permettre à tous les candidats de pouvoir s'exprimer devant les citoyens pour que les citoyens sachent qu'est-ce que X propose, qu'est-ce que Y propose. Donc à ce niveau-là, et à ce niveau-là, on parle d'égal accès. Si vous remarquez, pour les autres, on dit et pluralisme et équilibre dans le traitement. Mais là-bas, c'est égal accès. Ça veut dire qu'il faut prendre les tranches là et puis diviser par petits morceaux comme ça et dire chacun a un même morceau que l'autre. C'est la loi qui définit cela. Mais est-ce que vous y voyez comme une sorte de manquement, d'insuffisance de la loi? Parce qu'il y a bien des dispositions légales dont les acteurs directs eux-mêmes y voient véritablement un manquement ou une insuffisance notable. Non, à ce niveau-là, non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut toujours le faire. Il faut pas, ce que je semble comprendre dans votre question, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas étendre ça aux médias privés aussi? Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, il faut les laisser faire leur travail. Ils ont des textes de référence, ils ont le sens de la responsabilité. Il faut qu'on tienne à ce qu'ils s'appuient sur ça pour faire leur travail. Puis voilà, on leur dit, il faut qu'ils soient, tous les médias, tous les partis soient représentés. Ils n'ont qu'à le faire. Et il faut qu'ils soient à équidistance de tous les partis. Il faut qu'ils soient impartials. Il faut les laisser faire leur, travail. Le cas burkinabé est peut-être assez particulier. On va dire fort heureusement que tout se passe bien. Mais ailleurs, tout le défi, ce n'est pas la presse publique, mais plutôt celle privée, parce qu'il y a des enjeux, il y a des mainmises sur certains médias. On fait mauvais usage donc de certains médias par les propriétaires, notamment, qui sont devenus plus tard des hommes politiques. Est-ce que là, ce n'est pas quelque chose qu'il faut travailler à dévancer? Non, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse les médias et privés n'ont pas à se préoccuper des principes clés liés au traitement de l'information. Non. Ils doivent veiller à ce que, s'ils veulent traiter l'information électorale, parce qu'ils ne sont pas obligés aussi. Certains peuvent choisir de dire, moi, je ne m'occupe pas de l'information électorale, je n'en fais pas. Donc, il n'y a pas de problème. S'ils veulent le faire, ils doivent veiller, un, au pluralisme. Ça veut dire que, s'ils ouvrent une fenêtre, tous les candidats, tous ceux qui sont en compétition doivent pouvoir bénéficier de cette fenêtre-là. Voilà. Deuxièmement, s'ils veulent traiter d'un sujet lié au candidat A et que ce candidat A parle du candidat B, ils doivent permettre au candidat B de pouvoir se prononcer là-dessus. S'il dit faire un débat sur un sujet X, il doit permettre à tous les candidats de se prononcer là-dessus. Il ne peut pas dire je fais un débat sur un sujet X et puis c'est A et B seulement qui vont venir parler, les autres ne parlent pas. Non. Donc ces principes-là, ils doivent les respecter. Maintenant, en ce qui concerne le principe de l'égal accès,
l'égal accès. Ça, c'est parce que les médias publics appartiennent à l'État. Voilà. Donc, comme ça appartient à l'État, l'État dit, il y a mon élection. Et j'ai des candidats qui veulent parler aux citoyens pour que les citoyens sachent quelle est la meilleure proposition. Donc, mes médias-là doivent pouvoir donner la parole à tous les candidats pour que tous les candidats donnent leur message aux citoyens afin que les citoyens puissent faire leur choix en toute connaissance de cause. Donc, c'est relativement deux choses différentes. Voilà, les médias publics, c'est parce que ça appartient à l'État. D'accord. Sinon, sur les principes de pluralisme et d'équilibre, tous les médias sont concernés, y compris les médias privés. Voilà. D'accord. Vous le savez très bien, puisque durant cette période-là, on a suivi votre programme régulièrement. Mmh. Et quand il y avait quelque chose, on a interpellé les médias concernés. D'accord. Mmh. Ben Abougma, la parole pour ces questions d'entrée. Oui, justement, ma question est en lien avec les médias privés. Mmh. Les médias privés, il y a des patrons de presse, certains même ont été candidats. Donc, il y en a qui ont posé la question de savoir comment est-ce que ça se passe. Parce qu'il y a aussi que derrière un média privé, c'est le business de quelqu'un. C'est ça. Aussi un retour d'investissement, c'est de l'argent. Donc, qui vend également des tranches. Certains candidats n'ont pas les moyens d'accéder à certaines tranches parce qu'il y a des tranches payées. Il y a des tranches également qui sont offertes, qui ne sont pas payées. D'autres, il y a des tranches payées. Donc, il y a ces réalités-là. Au niveau du Conseil supérieur de la communication, comment est-ce que vous regardez? Parce qu'en ce moment-là, tous les candidats ne pourront pas avoir accès à certains médias privés. Mmh. Oui, ici, le premier élément, c'est le fait que quand il y a des tranches qui sont disponibles pour être payées, on peut dire que celui qui a un peu plus de moyens va en bénéficier beaucoup plus que l'autre. Bon, à ce niveau-là, le CSC ne peut véritablement pas aller très loin dans... Voilà, c'est ce que nous faisons pour les médias publics. C'est dire qu'il n'y a pas de déséquilibre. Voilà, l'argent des partis politiques ne compte pas. C'est égal accès. Donc on tranche et puis on dit chacun a une part. Mais pour les médias privés, non. Par exemple, un média qui a vocation à être commercial vend ses tranches. L'antenne, voilà. Il dit, moi, il y a 5 minutes, ça coûte 500 francs. Celui qui veut, il vient prendre. Ok. Ce que nous, en tant que régulateur, nous lui disons, c'est que si tu fais ça dans le cadre de la campagne, là, il faudrait que tu permettes à tous les partis en compétition de pouvoir payer ça. Tu ne peux pas dire, j'ouvre la tranche là, 5 minutes c'est 500 francs, mais c'est le candidat lui là seulement qui peut venir payer, l'autre là lui ne peut pas venir payer. Non, ça ne marche pas. En ce moment, si tu fais ça, nous allons réguler, nous allons intervenir pour te dire non, si tu ouvres cette tranche là, elle doit être accessible à tous les candidats en compétition. Voilà. Faut pas par exemple aussi dire que lui là il paye 500 francs, mais si lui là il vient, il va payer 1000 francs. Ça aussi, c'est un aspect sur lequel nous allons intervenir pour dire que non, ça ne marche pas. Il faut que si tu donnes la possibilité que tous les candidats aient accès avec les mêmes conditions à cette tranche-là. Maintenant, ce qui concerne les propriétaires des médias privés, je pense on doit pouvoir dire que l'ensemble des médias, on va y revenir peut-être par la suite, monsieur le président, mais l'ensemble des médias ont vraiment été très professionnels et très responsables dans le traitement de l'information électorale. Actuellement, on reçoit, bon, on ne va pas cracher là-dessus, on reçoit beaucoup de félicitations des gens qui disent que le CSC a fait un bon travail, qu'il n'y a pas eu de choses et autres. Mais je pense qu'en gros, c'est essentiellement les médias qui ont fait un bon travail. C'est les médias qui ont été très professionnels. Par exemple, les médias privés qui appartiennent à des gens qui sont politiquement engagés, certains même, comme vous dites, étaient candidats. Mais malgré ça, on a vu que dans le traitement de l'information électorale, il y a eu un grand effort pour être à équidistance des candidats, pour ne pas favoriser un candidat au détriment d'autres candidats. Et ça, vraiment, c'est à féliciter. Du reste, le CSC, dans la période électorale, peut-être qu'on va en parler, a mis en place un dispositif de monitoring qui nous permet de surveiller le contenu de l'ensemble des médias durant toute la période de la campagne, durant les 21 jours. Nous avons recruté 110 observateurs que nous avons envoyés sur l'ensemble du territoire. Et à la minute près, quand une émission est finie, nous avons au niveau du CSC le compte-rendu de l'observation de l'émission. S'il y a eu un manquement, nous l'avons déjà à la minute près. Et il y a un dispositif de traitement qui est mis en place qui permet d'interpeller, d'auditionner les responsables des médias en l'espace de 24 heures. Donc en l'espace de 24 heures, s'il y a un manquement, nous pouvons réagir et faire corriger s'il y a lieu le manquement en question. Donc on a surveillé aussi ces médias-là qui appartiennent à des acteurs qui sont politiquement engagés. Et je dois avouer que dans l'ensemble, vraiment, il y a eu beaucoup de professionnalisme de la part des acteurs impliqués
C'est le lieu de saluer le professionnalisme des responsables des médias, mais aussi des journalistes qui ont fait véritablement le travail. Vous poursuivez ? Bon, en ce qui concerne les émissions parrainées par le Conseil supérieur de la communication, vous dites qu'il y a un principe d'équité et d'égalité, mais aussi à la... Non, d'égalité. D'égalité. En ce qui concerne les médias et les émissions parrainées, ce sont les émissions que nous avons réalisées avec RTB Radio, RTB Télé et puis Sidoya pour répondre à la disposition de la loi qui dit qu'en période électorale, le CSE doit veiller à l'égal accès des candidats aux médias d'État. Ça va jusqu'à la durée. Ça va jusqu'à la durée. Ça va jusqu'à la durée, oui. Ok, bon. À ce niveau-là, ce qu'il faut dire, c'est que nous déterminons les durées. Mais ce sont des tranches que nous déterminons et que nous mettons à la disposition des candidats. Par exemple, on dit message de campagne, c'est 5 minutes. Bon, si le candidat là envoie 3 minutes, nous, on ne peut pas l'obliger à dire il faut compléter 5 minutes. Non, il a une tranche de 5 minutes. C'est lui qui voit comment il exploite. Voilà. Quelqu'un peut envoyer un message de 5 minutes. Un autre va envoyer un message d'une minute. Quelqu'un peut envoyer un message en français. Un autre va envoyer en moré. Un autre va envoyer dans les 5 minutes. Là, il va faire moré, doula, fulfulde. Il va essayer de faire de... Voilà. Mais ce qu'il doit savoir, c'est qu'il a une tranche de 5 minutes. Même durée que son adversaire. C'est ça. Et ça va jusqu'au reportage. Oui, ça va jusqu'au reportage. Alors, peut-être que ça me permet de faire juste une petite topographie de ces émissions parrainées-là. Pour les émissions parrainées, on a trois types de contenu. On a les messages de campagne, c'est-à-dire vous envoyez un message pour dire pourquoi vous voulez qu'on vote pour vous, pour promouvoir vos lieux. On a l'interview du candidat pour ce qui est de la présidentielle. Donc, on donne par exemple une page dans Sidoya, interview avec le candidat, il répond aux différentes questions. Et sur la RTB aussi, radio et télé, c'est la même chose. Et puis, troisièmement, on a les reportages. Pour les reportages, il y a eu des quotas qui ont été établis. Pour la présidentielle, chaque candidat avait droit à 16 reportages. C'était 13, mais vers la fin de la campagne, on s'est rendu compte que beaucoup avaient déjà épuisé, mais il restait encore des espaces encore de reportages. Et des activités phares. Voilà, et des activités phares. Mais c'était surtout que les derniers jours de la campagne, là, ils risquaient de ne rien avoir comme reportage. Donc avec les médias publics, on a échangé et on a décidé de d'actualiser, d'ajouter 3-3 pour tous les candidats. Donc ça a été fait comme ça. Et donc tous les candidats à la présidentielle avaient droit à 16 reportages de leur meeting. C'est à eux maintenant de signaler aux médias publics là, quels sont les meetings qu'ils veulent, voilà, qu'on couvre. C'est tout. Pour les législatives, il y a eu des quotas qui ont été établis en fonction du nombre de listes déposées par les partis en compétition. Donc, un parti qui couvrait l'ensemble des 45 provinces avait droit à 16 reportages. Maintenant, ceux qui en avaient moins, ça descendait, je crois, les plus petits, c'était 6 reportages, un truc comme ça, voilà. Parlant justement de ces émissions parrainées, moi je voudrais savoir comment s'est faite la programmation des candidats et surtout aussi l'affectation des journalistes qui devraient mener les échanges, parce qu'il y en a qui estiment qu'il y a certains journalistes qui sont plus ou moins en acquaintance avec tel candidat, il y a d'autres qui sont paranoïdes de sainteté. Tout cela a contribué à créer quand même un climat de suspicion. Comment le CSE a géré principalement cette question-là? Bon, pour ce qui est des journalistes, nous on remarque surtout qu'ils sont beaucoup professionnels. C'est vrai qu'on peut trouver qu'il y a des choses à reprocher à certains journalistes, mais dans l'ensemble, on trouve qu'ils sont beaucoup professionnels. Le travail que nous avons fait pour sélectionner les journalistes a consisté à regarder un peu dans le lot, vraiment ceux qui se démarquent par la qualité de leur travail et par le respect des principes clés du journalisme. Donc on avait affaire à des gens qui fonctionnaient vraiment en professionnel. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés, des petits problèmes par-ci, par-là, mais on pense qu'un bon professionnel, quel que soit le cas, y compris les difficultés qui peuvent se présenter sur les plateaux, ils peuvent arriver à s'en sortir. Donc c'est tenant compte de ça que les équipes qui ont été commises à la tâche de sélection ont travaillé pour sélectionner les journalistes qui allaient participer à l'entretien avec les différents
les différents candidats. Donc, on en a retenu à la fois au niveau des médias publics, mais aussi au niveau des médias privés. Et après, on a fait des compositions de duo pour s'entretenir avec les candidats. Sur quels critères vous avez fait cette composition? C'était beaucoup plus de discussions. Hein. On a discuté, on a échangé et puis on a essayé de faire des... C'était pas des choses clés comme ça où on a un critère, on met là-dedans et puis le nom la sort, c'est Lukman, le nom la sort, c'est Bernard Bouman. Non, 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 on a discuté et puis... Mais ce qui était intéressant, c'est surtout que c'était plusieurs personnes qui discutent et puis qui s'est dit, bon, voilà, si tel candidat, voilà, on envoie telle personne et puis voilà. Et puis, il y avait aussi, l'appréciation sur le genre, il y avait une femme qui était candidate, il y avait trois femmes journalistes, voilà, ainsi de suite. Donc c'est un peu par rapport à ça, c'est vraiment les discussions qui nous ont amené à, par consensus, à nous entendre sur les duos qui devaient animer les choses. Après aussi, il y avait, bon, qui était le journaliste lead et puis qui va suivre l'autre consort, voilà, bon, mais tout ça n'est pas une façon aussi de les classer ou quoi, mais bon, c'est de dire que sur ce point là, par exemple, il faut choisir. S'il n'y a pas de lead dans la conduite de l'émission, ça peut aller un peu dans tous les sens. Donc on choisit, hein, on dit bon, c'est lui qui va faire la conduite et puis on informe l'autre. Mais vraiment, ça n'a pas causé de problème, je trouve. J'ai beaucoup aimé l'attitude des journalistes. Qui peut-être pour vous, ça n'a pas causé de problème, mais nous, en tant que journalistes, on a quand même ce retour-là. On a vu, par exemple, la composition de l'équipe qui a interviewé le président candidat avec le grand frère de Dieudonné Zungrana. Beaucoup se sont posé la question. Ah, ok, d'accord. On connaît quand même on va dire, sa proximité, supposée, va-t-on dire, avec le président, puisqu'il y a... Pourquoi tu as ajouté supposé? C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Bon, il y a des aspects sur lesquels ça peut être difficile de tenir compte de ça quand vous allez faire un tel travail. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est le fait que ce n'est pas une seule personne qui a décidé. C'est un comité qui était chargé de la tâche. Il y a une dizaine. Est-ce que ce comité peut ne pas recevoir d'instructions particulières? Non, 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 ils n'ont pas reçu d'instructions particulières. Il y avait au moins une dizaine de personnes qui ont travaillé sur ces questions-là. Et puis, bon, on échange. Chacun donne son idée. On discute. Et puis, à la fin, on s'accorde sur quelque chose. Ce genre de choses, vous ne pouvez pas avoir une machine dans laquelle vous allez mettre les noms et puis ça va sortir pour l'interview de temps, il faut telle personne. Non, c'est vous discutez et puis vous essayez de mais est-ce qu'en affectant les journalistes, il y a des candidats qui se sont dit pas très à l'aise avec tel journaliste et donc ils les recusent peut-être? Non, on n'a pas rencontré ça. Quand on a fait les propositions, dans un premier temps, on a fait d'abord la proposition des duos et dans un deuxième temps, on a choisi le lead, celui qui va conduire l'émission. Et j'avoue que ça n'a causé, c'est peut-être que vous dites peut-être les journalistes, mais même les journalistes, bon, on n'a pas encore reçu en tout cas de feedback dans ce sens-là. Mais entre nous, je veux dire que dans le groupe de discussion, bon, ça n'a pas causé de problème. Chacun a donné son point de vue, on a discuté et puis on a arrêté la composition des équipes qui devaient les conduire. Bon, l'alternative à ça aurait été de faire un tirage au sort. C'est-à-dire, on met dans une cagnotte et puis chose. Mais bon, par exemple, on avait des femmes journalistes, on avait des candidats journalistes. Bon, ça nous intéressait aussi de voir aussi comment on compose aussi avec, en tenant compte de ce critère genre-là et également. Parlons toujours de ces émissions parrainées. Quel est le niveau de participation des candidats que le CSI a pu relever? Alors, à ce niveau-là, ce que on peut souligner, c'est il y a eu deux éléments de résultats qui peuvent être soulignés. C'est que pour la présidentielle, la participation était optimale. C'est pratiquement 100% à tous les niveaux. Dans Sidoya, que ce soit les interviews, que ce soit les messages de campagne ou les reportages, pratiquement 100% d'occupation par les candidats à la présidentielle. RTB Radio, RTB Télé, c'était pratiquement la même chose. Je pense qu'il y a eu seulement une émission de débat où il y a eu un candidat à la présidentielle qui n'était pas là. Je pense que c'était pratiquement le seul. Mais sinon, le candidat Yacouba Isaac Zida?
Non, oui, bon, pour l'entretien, chose comme on appelle des candidats à la présidentielle, oui, à ce niveau-là, il y a eu le candidat Yacouba Isaac Zida qui n'était pas président, qui n'était pas présent. Mais il y a aussi un élément aussi au niveau d'un des débats où il y a un candidat et, qui n'était pas là. Je ne me rappelle plus c'est quel candidat, mais c'était les seuls éléments qui font qu'on n'a pas eu 100% forcément à ce niveau-là. Par contre, au niveau des législatives, là, il y a eu beaucoup. Beaucoup. Il y a eu une participation, certes, qui est assez intéressante, mais il y a eu beaucoup d'absents. Il y a eu, je veux dire, on va terminer, parce qu'on a fait le point à mi-parcours. Mm-hmm. On était entre 60 et 70% de taux de participation en fonction des types de pour la législative. Mais on va finaliser ça bientôt et faire le rapport général. Mais de façon globale, on doit dire que sur 10 candidats ou 10 participations attendues, il y a au moins 4 ou 3 qui sont absents. On a remarqué que de façon générale, les partis ont une faible organisation ou manque de personnes à même de porter le discours dans les médias. Et ça nous a aussi causé un petit souci au niveau organisationnel parce qu'il fallait les accompagner pour pouvoir le faire. Il faut reprendre des éléments pour que ça soit ça soit acceptable à la radio ou à la télé. Donc, à ce niveau-là, on a eu, mettons, 60% de taux de participation. Mais est-ce que vous aviez la capacité de prendre en compte, justement, la participation de 126 partis qui prennent part d'une société? Tout à fait. Et ça me permet peut-être de revenir à votre question à laquelle je n'avais pas répondu sur la façon dont on a programmé les différents candidats. On a fait un tirage au sort. Okay. C'est-à-dire que au début, avant la proclamation des listes définitives, on était à 126 partis. Après, on est tombé à 146, un truc comme ça. Maintenant, avec 126, comment on fait? On a 5 émissions à la RTB Radio, 5 émissions à la RTB Télé, 3 au niveau des citoyens. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on a fait, on a fait un tirage électronique à Ouaga 2000 avec l'ensemble des médias invités et l'ensemble des candidats présents. On a fait le tirage. Et le tirage a permis pour chaque émission, pour chaque page parrainée, de dire qui passe quel jour à quel moment. Et donc, à l'issue du tirage au sort, il y a un programme que nous avons édité et que nous avons envoyé à l'ensemble des partis en compétition. Et quand vous prenez ce programme-là, vous identifiez partout où vous devez passer. Et ce programme-là indique quand vous passez pour enregistrer votre message et quand est-ce que votre message va être diffusé. Et on a indiqué là-dedans aussi la quantité de temps que vous avez pour l'enregistrement de votre message, de sorte que les gens puissent se préparer en conséquence. Donc, voici un peu comment nous avons procédé pour faire la programmation sur les différentes antennes. D'accord. Bon, au niveau des journalistes, une parenthèse, la difficulté aussi était de gérer comment est-ce qu'on en sorte qu'un candidat s'exprime pour être bien compris dans son programme, mais aussi de ne pas lui permettre de mettre les gens dans le décor. Donc, vous coincez ou vous ne coincez pas, c'était aussi l'une des difficultés au niveau des duos, parce que vous regardez, qu'est-ce qu'on fait? Si vous le coincez, vous le mettez mal à l'aise, ça va desservir au niveau des électeurs, mais lui permettre aussi de s'exprimer et de dire des choses correctes. C'était l'une des difficultés. Mais maintenant, dans le traitement au niveau de l'information de façon générale, est-ce que le CSC a relevé des manquements liés à la couverture de la campagne? Les manquements, essentiellement, c'est beaucoup plus quand les médias ont repris des messages des acteurs politiques. Les pics, là. Voilà. Donc, souvent, il y a eu des messages qui posaient relativement problème. Et on pensait que les médias pouvaient traiter l'information sans rapporter le message en question. J'ai pas d'exemple en tête. Et le deuxième type, faut pas rire, c'est vrai. Mais le deuxième type de manquement que nous avons relevé au niveau des médias dans le traitement de l'information électorale, c'est lorsque dans le bilan à mi-parcours on l'a relevé, lorsque en regardant le nombre le temps accordé à chaque candidat par un média, puisque notre monitoring là, nous permet de faire ça, on calcule à la seconde près combien de temps tel parti a eu, combien de temps tel parti a eu. À mi-parcours, on s'est rendu compte que certains médias, il y avait un certain déséquilibre. Voilà, il y a certains partis qui avaient beaucoup plus de important ou minime de candidats.
quand c'est minime, ce n'est pas un problème. Parce que, justement, c'est pourquoi nous, dans le traitement de l'information électorale, on dit qu'il faut un traitement équitable. C'est ça qui est le pluralisme et l'équilibre, là. Équitable. C'est-à-dire que là-bas, on ne peut pas faire quelque chose de mesuré véritablement. Mais quand c'est... l'écart est assez important, c'est là où on attire l'attention du média. Mais dans l'ensemble, quand on a analysé, on s'est rendu compte que ce n'est pas une volonté des médias de favoriser un parti ou un candidat au détriment de l'autre. C'était beaucoup plus lié à la disponibilité de l'actualité pour un candidat ou pour un autre. Certains candidats, par exemple, saisissaient régulièrement les médias pour dire « j'ai ça, je fais ça, je fais ça ». Par exemple, il y avait un candidat, pour ne pas le citer, Maître Souma, qui avait beaucoup d'actualités pour lesquelles il sollicitait les médias. C'était pas forcément de très grand chose, mais il leur disait « je fais ceci, je fais cela, je fais cela ». Donc, du coup, sur certains médias, on a remarqué que il était très présent, alors que d'autres n'était pas présent. Donc on a attiré l'attention des médias là-dessus, de ces médias là-dessus, en leur disant, c'est à vous aussi de faire l'effort d'aller chercher des éléments pour les autres candidats. Si certains en construisent pour vous dire, venez couvrir, voyez aussi comment est-ce que vous faites, même si c'est des choses d'initiative, pour donner des espaces de la visibilité à ces autres candidats. Parce que le rapport du média n'est pas seulement le rapport vis-à-vis des candidats, mais c'est le rapport aussi vis-à-vis des citoyens. Il faut que les citoyens aient accès au message de l'ensemble des candidats qui sont en compétition. Donc si un ne vient pas vous donner, il faudra que vous voyez comment vous faites pour aller justement chercher à son ça niveau. Il faudrait aussi que les candidats aient des activités parce qu'on a vu d'autres qui... Oui, c'est pas facile, j'avoue qu'à ce niveau-là, il faut féliciter la capacité de création des médias parce que souvent, il faut vraiment poursuivre et aller trouver comment faire pour avoir des éléments. Mais bon, ce que je dis, c'est que ça y va aussi de votre professionnalisme. Les citoyens attendent que vous leur dites quelles sont les propositions de tous les candidats, donc c'est à vous de faire vraiment les efforts pour pouvoir y aller. Mais je dois avouer que dans l'ensemble, les gens ont fait quand même cet effort-là. Conseiller Bernard. Après les médias, il y a aussi les candidats. Oui. Voilà. Donc vous avez dit qu'il y a des messages qui n'auraient pas dû passer compte tenu de leur contenu. C'est ça. Bon, vous les avez suivis. Est-ce que aussi à ce niveau, il y a eu des manquements, des écarts, on va dire, au niveau de certains candidats. Bon, au niveau des candidats, l'essentiel, si vous voulez, le cadre de référence pour nous, c'est le pacte de bonne conduite. Parce que nous ne régulons que les médias. Pour les médias, l'ensemble de nos dispositions, les textes sont clairs. S'il y a des problèmes, il y a comment est-ce qu'on intervient vis-à-vis des médias. Le candidat vous intéresse pratiquement pas, ou bien moins. Et ne nous intéresse qu'à travers le pacte de bonne conduite. Okay. Parce que le pacte de bonne conduite est un document qui a été paraffé par les partis politiques, les médias, les organisations de la société civile, les blogueurs, ainsi de suite. Donc, les partis politiques étant engagés dans le pacte de bonne conduite pour dire qu'ils vont avoir un discours et un comportement qui va faire en sorte qu'on ait des élections apaisées, lorsque nous observons que certains comportements, certaines pratiques ne sont pas de nature à avoir de la sérénité dans le scrutin, nous les interpellons par rapport à ça, mais ce n'est pas, il n'y a pas de disposition de sanction ou quoi qui soit prévu à ce niveau-là, parce que le pacte de bonne conduite c'est moral, la sanction qui peut être faite est morale. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de médiatisation autour de la signature du pacte pour dire que c'est devant le peuple que les gens se sont engagés à avoir tel comportement. Donc s'ils violent les principes du comportement, c'est le peuple qui prend acte de ça et qui éventuellement va pouvoir les sanctionner. À ce niveau-là, ce que nous avons observé, peut-être que votre tribunal nous sert de cadre aussi pour pouvoir parler de ça. L'un des éléments, c'est l'aspect de la santé. Dans le pacte, on a relevé le fait que les partis en compétition doivent prendre en compte le contexte des crises sécuritaires et des crises sanitaires. Vous voyez que ces deux jours-là, le pic-là est revenu. Je pense que l'un dans l'autre, les grands meetings où les gens se rassemblent et puis on ne respecte pas vraiment les mesures barrières-là, on fait relâcher la vigilance des gens sur la nécessité de respecter les mesures barrières. Donc, des deux jours-là, on voit que le pic, le taux de contamination a un peu grimpé. Donc c'est le lieu peut-être d'attirer l'attention des gens là-dessus. C'est pas parce qu'on a vu les grands meetings avec ça que ça signifie que le coronavirus est
fait partie de la maladie est toujours là. Il est nécessaire qu'on continue de respecter les gestes barrières. Il est important que les leaders, et notamment les leaders politiques, utilisent toujours les cadres de rencontres ou d'intervention pour sensibiliser les gens et dire qu'il faut toujours respecter les gestes barrières. Entre autres manquements qu'on a observés au niveau des partis politiques, c'est par exemple lorsque on nous a rapporté des collectes de cartes d'électeurs et autres comme ça. Bon, ça, c'est pas de nature à mettre de la sérénité dans le processus électoral. Quand on a relevé aussi le fait que certains militants arrachaient et des affiches de certains ou apposaient leurs affiches sur les affiches de leurs concurrents, ça aussi c'est pas de nature à ce qu'on ait de la sérénité dans le processus électoral. Lorsque nous avons appris ces éléments, nous avons fait des communiqués publics que nous avons diffusés dans les médias pour attirer l'attention des candidats, des partis politiques sur ces questions-là et les inviter à respecter les principes qu'eux-mêmes ils ont signés dans le pacte de bonne conduite et à se faire des acteurs de sensibilisation auprès de leurs militants. Parce que souvent, ce n'est pas forcément des instructions qui leur sont données par le leadership du parti. Mais si eux, ils sensibilisent leurs militants, c'est sûr que ce que nous voyons sur le terrain, on peut ne pas l'observer. Donc ce sont des actions de ce genre-là que nous avons fait vis-à-vis des responsables des partis pour quand on a vu des manquements au pacte de bonne conduite. Est-ce qu'au nom de ce pacte de bonne conduite, vous avez été formellement saisi par certains partis politiques pour constater ces manquements? On n'a pas été saisi, mais c'est comme si ça avait été fait. Du reste, on s'est réjoui de remarquer que lorsqu'il a commencé à avoir un peu de tension à l'issue de la... quand on a commencé les décomptes et que certains partis ont commencé à décrier, qu'ils soupçonnaient des fraudes, on a vu que beaucoup d'acteurs de la société civile, des organisations internationales, pour interpeller les acteurs au calme, ont fait référence au pacte de bonne conduite. Pour leur dire, vous avez signé le pacte de bonne conduite, vous avez dit que s'il y a un problème, vous vous engagez à utiliser les voies, les recours qui sont prévus par la loi, les recours qui sont de nature à permettre le dialogue et la sérénité dans le vote. Donc on vous invite à respecter cet engagement que vous avez fait à travers le pacte de bonne conduite. Donc nous, on s'est vraiment réjouis de ça, parce que ça veut dire qu'au-delà des acteurs, tous les autres parties prenantes, l'opinion publique nationale et internationale, a bien suivi et bien intégré le fait que les acteurs politiques se sont engagés à travers ce pacte-là à ce qu'il y ait des élections apaisées. Et je pense que l'un dans l'autre, je pense que ça a quand même servi. Mais est-ce que de façon générale, on ne peut pas dire qu'ils ont enfreint, sinon violé ce pacte de bonne conduite, parce que vous avez vu les partis signataires de l'accord politique de Ouagadougou qui ont crié pratiquement à la fraude massive avant même que les résultats généraux ne soient partagés par la CENI. Oui, mais après, quand les acteurs les ont interpellés pour leur dire vous avez signé le pacte, vous avez dit que s'il y a un problème, vous allez utiliser les recours qui sont prévus par la loi. Après, on a vu qu'ils sont revenus au calme et que bon, les choses se sont bien passées. En tout cas, jusque-là, je pense que les choses sont dans une certaine normalité, dans une certaine sérénité. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ce pacte a grandement servi. Mais est-ce que dans les faits, il n'y a pas eu manifestement un manque de respect, c'est-à-dire une violation des dispositions de la charte à travers les différentes forces? D'abord, avant les élections, c'est le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, depuis Banfora, qui envoie une note à la CENI pour dire que si on n'est pas obligé, ce n'est pas une course de vitesse, la CENI n'est pas obligée de proclamer les résultats à J+1. Deuxième sortie, c'est la conférence de presse où l'opposition dénonçait des fraudes à grande échelle qui se préparaient. La troisième sortie, c'est quand l'opposition a appelé également ses commissaires à quitter la CENI. Est-ce que ce n'est pas suffisant en termes de non-respect? Est-ce que ce n'est pas un viol des dispositions du pacte? Peut-être. Mais ce que nous, on observe et qui nous réjouit, c'est que quand après... Peut-être, c'est ça. C'est vous qui avez concocté la charte, le pacte qu'il avait fait signer. Oui. S'il y a un non-respect, vous savez que c'est ça ou c'est pas ça. Oui. Mais quand c'est peut-être, je ne sais oui, pas. Oui, peut-être qu'il y a eu manquement à la charte à ce niveau-là. Mais ce qui nous réjouit, c'est que lorsqu'on les a interpellés en leur disant, vous avez signé le pacte, vous avez dit dans le pacte que s'il y a un problème, vous allez vous référer aux instances habilitées à gérer ce problème-là. Quand on les a interpellés là-dessus,
ils se sont disposés à le faire. Du reste, jusque-là, les choses sont revenues dans une certaine normalité, dans une certaine sérénité. Donc, on peut penser que, arrivé à un certain moment, compte tenu de la tension et de la compétition, ils avaient peut-être oublié leur engagement dans le pacte. Et quand on les a interpellés là-dessus, ils se sont conformés à leur engagement dans le pacte. Moi, c'est ça que je voudrais remarquer et saluer et dire que c'est vraiment bien que ça soit ainsi. Parce que si on signe le pacte, c'est parce que justement, on sait qu'arriver à un certain moment, ça peut être difficile. Ça peut être très tendu. C'est pourquoi c'est cette mesure de précaution-là qui nous amène en amont à les appeler pour dire « il faut vous engager ». Avant que ça ne devienne tendu là, il faut vous engager à dire que vous allez avoir des comportements dignes d'un Burkinabé qui veut qu'on reste unis à l'issue de ces élections-là. Et nous, en tout cas, on voudrait saluer le fait que l'ensemble des acteurs, j'allais dire de façon globale à l'issue du scrutin, quand le dépouillement a commencé à se faire, on fait des interpellations, on fait des déclaration, on fait des communiqués pour dire aux gens, le pacte vous l'avez signé. Vous vous êtes engagé à travers le pacte. Donc vous avez dit que s'il y a un problème, vous allez utiliser les recours qui sont prévus par la loi. Il faut faire comme ça. Et dès qu'on a dit ça, on a vu que après les gens vraiment se sont mis. Donc vraiment, ça, moi je voudrais plutôt saluer cet aspect-là. D'accord. Alors il y a autre chose que je voudrais qu'on aborde, c'est puisque vous parlez donc de pluralisme et d'équilibre dans le traitement de l'information électorale, et en même temps, on voit que vous avez, entre guillemets, bâillonné une certaine presse, notamment les médias confessionnels et communaux, qui pourtant dans certaines régions, quand même, sont les principaux médias qui, véritablement, donne l'information aux populations, et vous avez dit que ces médias-là ne doivent pas prendre part à la couverture électorale, on va dire. Oui, bon, je ne vais pas utiliser le même mot que vous. C'est une mesure de prudence. C'est en tenant compte du contexte vraiment difficile de notre pays, le contexte dans lequel on tient ces élections. Vous avez déjà les crises intercommunautaires qui existent déjà. Et vous avez cette crise sécuritaire qui a un ralent religieux qui essaie de se faufiler dans la frontière entre les religions. Donc ça fait que avec la compétition électorale, on avait des craintes. Voilà. On avait des craintes, s'il y a des candidats qui sont de telle obédience religieuse ou de tel courant religieux, qu'il y a des médias. Parce que chez nous, le problème, parce qu'ailleurs, ça ne causerait pas problème, parce que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de médias confessionnels. Dans beaucoup de pays, on ne donne pas d'autorisation pour ouvrir un média confessionnel. Vous avez un média, si vous voulez, vous pouvez avoir des programmes religieux là-dedans, mais il n'y a pas de médias confessionnels. Chez nous, il y a des médias confessionnels. Dans cette situation de crise-là, si vous avez, par exemple, dans un environnement donné, des candidats qui appartiennent à telle ou telle religion, ça peut donner lieu à des situations assez difficiles. Donc c'est pourquoi nous, par précaution, on a voulu ça. Mais en réalité, on ne l'a pas voulu comme ça. Hein. C'est à l'issue d'une tournée de concertation avec les médias même. C'est-à-dire, nous, on a senti la difficulté et on a fait une tournée, 4 rencontres dans le pays où on a invité l'ensemble des médias confessionnels et des médias communaux. On leur a exposé le problème. On dit, voici le contexte, voici la difficulté que nous, on entrevoit. Nous, on pense que c'est peut-être mieux que vous soyez hors de la bagarre, des choses-là. Mais beaucoup même nous ont dit qu'eux-mêmes, vraiment, ça les arrange. Prenez par exemple les communes. Vous avez un maire qui est déjà engagé politiquement, qui est d'une certaine couleur politique. On va faire la compétition électorale. Il y a des candidats qui sont des opposants de ce maire-là. C'est ce maire-là qui signe les chèques de salaire de ces travailleurs-là. Vous faites comment? S'il dit qu'il faut venir couvrir, vous allez aller couvrir la campagne de son adversaire, ça va être difficile. Est-ce que là, c'est un argument qui peut véritablement prospérer? On peut en dire autant pour la RTB, dont le directeur général est connu pratiquement pour son appartenance à un parti politique. Je n'en sais rien, mais quand ça vient d'eux-mêmes, je pense qu'on peut penser quand même que quand c'est eux-mêmes en tant qu'acteurs des médias qui disent ça, je pense que ça a du sens. Voilà. Nous, on a pensé que ça peut être le cas. C'est pourquoi on les a appelés pour échanger. Et pour beaucoup, effectivement, c'est une épine qu'on leur enlève du pied parce que ça les aide
à pouvoir être à équidistance. Eux, ce qui les arrange, c'est vraiment de ne pas faire la couverture parce qu'en ce moment-là, ils n'auront pas de problème avec quelqu'un. Si le président du conseil municipal leur dit pourquoi vous ne... Non, c'est le conseil supérieur de la communication a pris une décision pour dire que on ne doit pas faire la couverture. Est-ce qu'il leur est permis de reprendre les messages des candidats sur la télévision ou la radio nationale? Pour les médias confessionnels, non, ils ne doivent pas, pour tout ce qui est lié à la campagne, non, c'est les médias privés qui peuvent le faire, mais eux, pour ce qui est, tout ce qui est lié à la campagne, ils ne peuvent pas le faire. Maintenant, les informations électorales émanant de l'administration électorale, comme la CENI, le ministère de la Sécurité, le ministère de l'administration du territoire, le conseil supérieur de la communication, ça, ces informations-là, ils peuvent les diffuser, les publier. Ils peuvent aussi faire la couverture le jour du scrutin pour dire qu'est-ce qui se passe et autres consorts. Les formations régulières qu'ils faisaient, ils peuvent faire ça. Mais la propagande électorale, là, c'est ça qu'on a dit qu'ils ne doivent pas faire. Maintenant, en contrepartie, et ça, c'est eux aussi qui nous l'ont soumis, ils ont dit que vraiment, s'ils peuvent être hors de cette bagarre entre les partis politiques, oui, maintenant, il faut que le CSC trouve une façon aussi de les accompagner. Ah oui. Parce que s'ils le faisaient, ça faisait quand même quelques ressources qu'ils allaient avoir. Donc, dans la formule, ce qu'on a trouvé, c'est de les... Et ça aussi, c'est eux qui l'ont proposé, qu'ils peuvent s'engager dans les actions de sensibilisation des citoyens. Donc, on a développé un programme de sensibilisation pour des élections apaisées, pour une participation plus citoyenne aux émissions interactives et donc on a voté des budgets pour chaque média confessionnel et communal du pays. On a été très inclusif, hein. Tous les médias ont bénéficié. Pour les médias, pour les radios, c'était 500 000, pour les télévisions, c'était 1 million qu'on a donné pour qu'ils puissent justement appuyer ce processus de sensibilisation des citoyens. C'est vraiment dérisoire, vous ne pensez pas? Si, oui, bon, maintenant si vous renvoyez ça à la quantité de médias, ça devient quand même quelque chose. Pour le tout, l'appui aux médias lors de ce processus électoral, c'est pratiquement c'est 800, un peu moins de 900 millions que nous avons éjecté comme appui à l'ensemble des médias, médias publics, médias privés, médias confessionnels et communaux. C'est quand même un certain montant. En termes d'enveloppe distribuée directement ou bien dans renforcement, le renforcement des capacités? Non, pas le renforcement des capacités. Parce que le renforcement des... Bon, si on appelle ça aussi le renforcement des capacités, mais il y a aussi les formations que nous avons faites qui ne sont pas incluses. Mais ça, c'est vraiment en termes de ressources que nous avons données directement aux médias, que ce soit les médias publics, les médias privés, l'ensemble de ces médias-là. C'est au bas mot 850 millions que nous avons donné comme appui financier aux médias. Habituellement, on donnait aussi des moyens, on donnait ça sous forme de moyens techniques, mais cette année, on a proposé de donner ça sous forme de ressources financières parce qu'on s'est dit aussi qu'ils étaient dans une situation avec la crise sanitaire là, où ils avaient vraiment besoin de ressources financières pour vraiment éjecter dans des éléments qui leur paraissaient plus préoccupants. Donc, on a apporté des appuis financiers. D'accord. Alors, il y a la loi de 2015 qui n'a pas facilité les choses à un moment donné. Il y a eu une lecture à minima qui a permis de reprendre et suspendre après. En termes de perspective, parce qu'il y en a qui ont demandé la relecture de la loi, est-ce que le CSC porte sur elle la responsabilité de la rectitude de la loi, ou bien vous la laissez entre les mains toujours des politiques? La loi qui interdisait la campagne déguisée. Non, ça n'a pas été simple pour tous les acteurs, y compris le CSC. Surtout pour le CSC. Beaucoup ont reçu des mises en demeure et tout et tout. Oui, surtout pour le CSC. Non, pas beaucoup de mises en demeure. Je dois dire que malgré l'apparente difficulté ou tension qu'il y a eu sur cette question, le CSC n'a jamais été saisi par aucun parti politique sur cette question. Aucun. La loi est claire, la loi dit la campagne déguisée est interdite et l'alinéa qui suit immédiatement dit celui qui se sent lésé va saisir le Conseil supérieur de la communication. Personne n'a saisi le Conseil supérieur de la communication. Voilà. Pour moi, c'est un indicateur. Ça signifie que, bon, dans l'ensemble, ce qui s'est passé sur les médias, les gens n'ont pas observé véritablement de problème là-dessus. Maintenant, le problème qui se posait sur la définition de la campagne déguisée. Bon, la loi n'a pas défini la campagne déguisée. Et je pense que c'est là-bas que se trouvait le problème. Donc, nous, en tant que
instances de régulation qui sont appelées au terme de la loi à répondre à ceux qui vont se sentir lésés, nous devons forcément définir ce qu'est la campagne déguisée. Sinon, comment est-ce qu'on va réguler les médias? Il faut forcément que nous on dise, quand la loi dit campagne déguisée, voici ce que ça veut dire. Voilà. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Et moi, je demande, est-ce qu'au législateur, vous allez demander une précision dans ce contexte? Oui, je pense que dans nos rapports, dans notre rapport final, on va proposer un certain nombre de modifications à la loi et ça pourrait faire partie. Et je pense que dans le fond, nous pourrons dire au législateur de faire cette précision-là. Je pense qu'ils se sont un peu... Ou besoin de sauter la loi totalement? Je n'en sais rien. Ça, c'est au législateur de voir. Mais je pense que quand ils ont mis ça, ça avait un certain sens. Ça avait quand même un certain sens. Maintenant, s'ils veulent le garder, il faut qu'ils précisent ce qu'ils entendent par campagne déguisée. Maintenant, s'ils ne veulent pas, ils peuvent aussi choisir tout simplement d'enlever cette disposition-là. D'accord. Je pense que nous sommes au terme donc de cette émission. J'aurais voulu que Bernard tire quand même une lecture générale de la gestion de cette campagne liée à cette communication liée à la campagne électorale à l'égard du CSC, parce que contrairement à la CENI où on a déjà des voix qui s'élèvent pour appeler non seulement la démission de l'équipe ou sa réforme, on entend peu de voix dans le sens donc du CSC. Est-ce qu'on peut dire finalement que les choses se sont bien passées? En tout cas, pour le moment, le constat au niveau du Conseil supérieur de la communication peut dire que les choses se sont bien passé, quand bien même à l'arrivée à l'installation de ce Conseil supérieur de la communication, ça n'a pas été facile. Le président lui-même a essuyé beaucoup de tirs, mais parce qu'il a été porte-parole quand même d'un candidat qui a été élu, c'était pas aussi évident par rapport à ce qu'il puisse avoir de la distance. Donc là, il faut pas cacher les choses. Mais bon, c'est un CSC qui a réussi à pouvoir trouver une place et qui, dans la régulation aussi, a été félicité même par les entités extérieures au niveau du Burkina Faso. En tout cas, je n'ai pas aussi entendu un candidat s'en prendre formellement au Conseil supérieur de la communication ou saisir le Conseil supérieur de la communication. Si les acteurs premiers n'en parlent pas, moi je pense que... D'accord, disons pour l'instant, parce que c'est un bilan à mi-parcours que nous avons fait. Ça va, oui. Merci à vous, M. Aziz Bamogo, vice-président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, d'être passé, en tout cas, nous entretenir sur la gestion de la communication par votre organe. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve encore lundi pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.